Namaste, bonjour, vous voici dans votre séquence de découverte de la salutation au soleil ou de perfection ou de rencontre de la salutation au soleil avec Isabelle. Voilà, donc je vais vous inviter à prendre un temps de pause, un temps de centrage et de présence à votre être intérieur. Donc, prenez place dans votre verticalité. Placez la conscience sur le souffle d'inspire et sur le souffle d'expire. Lâchez bien les épaules. Déposez les paumes des mains l'une vers l'autre. Nous allons prendre trois fois le mantra. Om Mitra Yanamaha. C'est ô toi, l'ami de l'univers, je te salue. Ô toi, ami universel, je te salue, je t'honore. Donc, je le prends une fois et nous prenons trois fois ensemble. Om Mitra Yanamaha. Nourrissez votre soleil intérieur par ces pratiques. Vibrez votre lumière. Et toujours à votre rythme. Sur une inspiration, vous allez prendre le temps d'ouvrir les yeux, de déposer le regard. Puis toujours à votre rythme, vous relâchez les bras, vous déposez les deux des mains sous les cuisses. Vous prenez une à deux respirations profondes, vous allongez l'inspire, vous allongez l'expire. Et puis, vous enlevez le support dessous les fessiers. Vous prenez le temps de venir vous poser à quatre pattes. Et avant d'en commencer votre enchaînement, vous allez inspirer, tirer la jambe gauche, étirer la plante du pied. Vous expirez, vous placez le genou gauche, vous déposez le ventre sur les cuisses, les fessiers vers les talons. Et puis, vous inspirez, vous étirez la jambe droite. Vous retournez les orteils pour bien étirer la plante du pied droit. Vous expirez en ramenant le genou droit. Vous déposez le ventre sur les cuisses. Vous étirez votre dos. Vous inspirez toujours à l'aise en revenant dans les quatre pattes. Puis vous expirez en allant dans le chien tête en bas. Prenez le temps de bien étirer la colonne, d'étirer la nuque, d'étirer les bras. Et puis toujours à votre rythme, vous déposez le pied droit à côté de la main droite, vous déposez le pied gauche à côté de la main gauche, vous relâchez bien les mains sur les côtes, le ventre vers les cuisses, vous fléchissez les genoux et quand une inspiration se présente, vous redressez, vous vous étirez. Et sur l'expiration, vous remettez les bras le long du corps,
Vous joignez les pieds pour placer les samastiti, les jambes étirées, les fessiers l'un vers l'autre. Ancrez les talons, l'arête externe des pieds, les orteils. Une fois que vous avez les talons, l'arête externe des pieds, les orteils bien ancrés, vous sentez la présence dans chacune des jambes. Vous redressez la colonne et vous relâchez les épaules. On se dépose, on se relâche et on place sa respiration en ujjayi. Légère contraction au niveau de la glotte, très très légère contraction qui va ralentir l'inspire sur sa descente, ralentir l'expire sur sa remontée pour ainsi naturellement allonger le souffle d'inspire, allonger le souffle d'expire. Quelques respirations samastiti, nourrissez la stabilité de la présence en même temps que vous placez votre respiration ujjayi. Très, très bien. Maintenez l'ujjayi, légère flexion des genoux sous l'expire. Bascule du bassin, on absorbe bien son coccyx vers l'intérieur, les paumes des mains l'une vers l'autre. Ancrez la présence dans les plantes des pieds, dans le bassin. Surtout, ne posez pas le poids sur les genoux. Plante des pieds, talons et bassin. Quand une inspiration se présente, vous étirez les jambes, vous étirez les bras, vous étirez le dos, regard sur les pouces. Expire, fléchissez légèrement les genoux, basculez le bassin. Le ventre sur les cuisses, le nez vers les tibias, la nuque allongée. Inspire, les mains sur les tibias, le tronc parallèle au sol. On étire bien le corps. Expire, on relâche, le ventre sur les cuisses. Inspire, étirez la jambe gauche, genou gauche au sol. Regarde en avant, dégage les épaules. On tire le menton vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Les bras étirés, le dos étiré, les fessiers l'un à fond. Inspire, posez le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol, le regard loin devant. Expire, les deux pieds parallèles, le ventre sur les cuisses, le nez dans les tibias. Fléchissez les genoux. Inspire, on se redresse, on étire les bras. Expire, retourne les bras le long du corps. Posez une respiration, allongez l'inspire, allongez l'expire. Et toujours à votre rythme. Expire, fléchir les genoux, basculez votre bassin, glissez les paumes des mains l'une vers l'autre. Inspire, étirez les bras, étirez le dos, posez le regard sur les pouces. Expire, grande flexion, le ventre sur les cuisses. Inspire, étirez le dos, tirez les fessiers vers l'arrière, tirez les épaules vers l'avant. Expire, retour dans la flexion et on commence par la jambe droite. Inspire, étirez la jambe droite, genou droit au sol, regard loin devant. Expire, étirez la jambe gauche, chien tête en bas. Restez une respiration dans la posture. Inspire, posez le pied droit entre les mains, genou gauche au sol, regard loin devant. Expire, les deux pieds parallèles, le ventre sur les cuisses, fléchissez les genoux, posez les paumes des mains l'une vers l'autre. Inspire, on se redresse. Expire, on relâche les bras le long du corps, étirez les épaules vers le bas. Nous allons reprendre une fois. En commençant de chaque côté, ce petit enchaînement qui réveille le corps en douceur. Expire, fléchir les genoux, basculez votre bassin, paume des mains du ventre. Inspire, on s'étire. Expire, grande flexion, bien relâchée. Inspire, étirez la jambe gauche, posez le regard loin devant. Expire, chien tête en bas. Étirez les bras, étirez le dos. Restez une respiration complète dans la posture pour nourrir le chien tête en bas. Et sur une inspiration, pied gauche entre les mains, genou droit au sol, regard loin devant.
Expire, les deux pieds parallèles, le ventre sur la cuisse. Fléchissez vos genoux. Inspire, on se redresse. Expire, tour, relâchez. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Fléchissez les genoux, basculez le bassin, posez les paumes des mains l'une vers l'autre. Inspire, tirez. Expire, grande flexion. Inspire, tronc parallèle au sol. Expire, retour dans la flexion. Inspire, étirez le genou, la jambe droite, genou droit au sol. Expire, chute ton bas. Étirez les bras, étirez le dos. Respirez bien dans la posture. Inspire, pied droit entre les mains, genou gauche au sol, regarde en avant. Expire, les deux pieds parallèles, le ventre sur la cuisse. Inspire, on se redresse. Expire, on relâche. Sentez l'inspire, sentez l'expire. Et on va commencer, on va enchaîner avec l'enchaînement complet en démarrant par le côté gauche. Ancrage des plans des pieds, présence dans le bassin. Laissez bien votre présence mentale dans le corps et la respiration. Observez si vous êtes toujours bien dans une respiration en ujjayi. Expire, fléchir les genoux, basculer le bassin, poser les paumes des mains vers l'autre. Inspire, tirez. Expire, grande flexion. Inspire les mains sur les tibias, étirez le dos. Tirez les fessiers en arrière, tirez les épaules en avant. Expire, retourne à la flexion. Inspire, on étire la jambe gauche, genou gauche au sol. Regarde en avant. Expire, étirez la jambe droite. Trois respirations dans la jambe Kasanasana. Posez l'attention sur l'intérieur des côtes qui se regardent. Posez l'attention sur les épaules qui sont relâchées. La nuque est longue, le menton est posé vers le sternum, le regard se pose vers le nombril. Et pour les jambes, on étire les jambes fessiers vers le plafond. Et si les talons descendent sous le tapis, c'est OK. Si pas, ne forcez pas, gardez une bonne présence dans votre colonne vertébrale. Pour rapprocher davantage les omoplates l'une de l'autre, n'hésitez pas à ouvrir l'index et le pouce et tirer les petits doigts vers l'extérieur pour favoriser le rapprochement des épaules, favoriser le relâchement, le rapprochement des omoplates, favoriser le relâchement des épaules. Inspire, vous revenez dans les quatre pattes, vous posez le regard loin devant. Expire, vous allez poser les fessiers vers les talons, les bras bien étirés, les avant-bras au sol, le front sur le tapis. Prenez le temps de poser une respiration. Et toujours à votre rythme. Après une respiration, vous allez choisir soit de venir à quatre pattes et d'étirer l'avant du corps, soit vous glissez doucement sur l'inspire vers l'avant. Vous amenez les épaules à hauteur des poignets. Vous soulevez les coudes et vous étirez l'avant du corps. Expire, chien tête en bas. Bien étirer les bras, bien étirer le dos, bien étirer la nuque. Inspire, étirez la jambe droite en arrière. Posez le pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Expire, les deux pieds parallèles, ventre sur la cuisse. Inspire, on se redresse. Expire, on relâche. Posez le souffle, l'inspire. Posez le souffle, l'expire. Expire. Fléchir les genoux. Basculer le bassin. Glissez les paumes des mains l'une vers l'autre. Inspire, on étire. Expire, grande flexion. Bien déposer le ventre, relâchez la tête.
Inspire, le tronc parallèle au sol. Expire, retourne en affection. Inspire, étirez la jambe droite, genou droit au sol, regard loin devant. Expire, étirez la jambe gauche. Chien tête en bas, placez l'ujjayi, souvenez-vous, si besoin, écartement entre les pouces et les index. Tirez les petits doigts vers l'extérieur. Posez le regard vers le nombril, menton vers le sternum, montez les fessiers vers le plafond pour étirer la colonne. Et laissez bien le dos s'étirer. Et pour les talons, voyez ce qui est possible sans forcer, juste accueillir le possible. Toujours à votre rythme, après trois respirations, vous revenez sur une inspiration dans les quatre pattes. Expire, fessier, le talon, les bras tirés, le dos tiré. Et doucement, quand une inspiration se présente, glissez les coudes sur le tapis, glissez les épaules vers les poignets et soulevez les coudes. Expire, retourne le chien tête en bas. Étirez la jambe gauche en arrière, pied gauche entre les mains sur l'inspire, regard loin devant. Expire les pieds parallèles, le ventre sur les cuisses, fléchir les genoux, inspire, on se redresse, expire, on relâche. Inspire, expire dans la posture. Inspire, expire dans la posture. Et je t'invite à reprendre cet enchaînement demain et nous le prendrons plusieurs fois à notre rythme. Je t'invite à t'exercer à faire les différentes étapes pour maîtriser doucement l'enchaînement. Donc n'hésite pas à regarder les vidéos de préparation à la salutation au soleil de base. Parce que c'est la salutation du soleil de base. Nous irons avec celle avec les bijas par après et nous serons dans celle encore plus intense par après. Après un petit moment de centrage, de présence, peut-être un moment de méditation, à ton choix, je t'invite à mettre fin à ta séance et à honorer ce soleil intérieur. Namasté, merci.